Depuis 2010, les 34 arénas de la ville de Montréal ont commencé une véritable cure de jouvence, une thérapie forcée par des normes environnementales. En fait, les 34 arénas à la ville de Montréal étaient presque tout opérés avec un système de réfrigération au fréon. C'est le protocole de Montréal qui interdit, à partir de 2020, l'usage de ce gaz à effet de serre qui a parti tout le programme. Le remplacement du système de réfrigération coûtera environ 2 millions de dollars par patinoire, mais à terme, la ville devrait faire des économies, d'autant plus que le fréon coûte beaucoup plus cher ces dernières années. C'est un système à l'ammoniaque qui a été conçu par les ingénieurs de la ville de Montréal, par nos employés. Un système qui est, en autant qu'on peut se dire, non seulement unique au Québec, mais unique au monde, qui utilise une très petite quantité d'ammoniac et donc qui ne fait qu'il n'y a aucun risque pour l'environnement. L'aréna Howie-Morenz, dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc Extension, est l'une des premières patinoires à profiter du nouveau système à l'ammoniac. On est ici dans la pièce où se fait la réfrigération de la saumure pour générer la glace. C'est un grand réfrigérateur. Sous la glace sur laquelle les gens patinent, il y a un grand serpentin. Le liquide refroidi qui fait générer la glace, c'est de la saumure, de l'eau salée, qui circule dans les conduites qui sont ce côté-là. Et dans un échangeur au centre, il y a l'interface avec le système de réfrigération pour assurer qu'on arrive à générer, à baisser la température de la saumure suffisamment bas pour faire de la glace. Et les ingénieurs profitent des travaux pour réduire l'appétit des arénas, qui sont parmi les bâtiments les plus énergivores. De tout ce système, vous voyez, c'est un peu chaud dans la pièce. On récupère cette chaleur. Cette chaleur est amenée dans une autre salle mécanique où on en profite pour chauffer de l'eau. Et cette eau-là va alimenter les douches, le chauffage des salles de joueurs et le chauffage d'appoint des gradins pour que les spectateurs soient confortables. Les nouveaux systèmes de réfrigération sont plus volumineux. Il a fallu construire des annexes aux bâtiments existants pour les loger. Mais la ville profite des travaux pour restaurer l'ensemble des édifices qui ont été construits pour la plupart il y a une trentaine d'années. Le problème, c'est que ça prend du temps, parfois jusqu'à un an. Au niveau du patinage libre, hockey libre, il y a une hausse de la fréquentation. Puis forcément, toutes nos heures ici sont utilisées, là. Rosemont dispose de deux patinoires, mais depuis décembre, l'aréna Père Marquette est en rénovation. Alors il a fallu transférer une grande partie des activités dans l'autre aréna de l'arrondissement, à Étienne Desmarteaux, qui sera rénovée à l'horizon 2015-2016. Il y a un certain nombre de joutes qui ont été rapatriées ici. On a également rapatrié le patinage libre pour tous, hockey libre. Alors c'est évidemment les gens qui étaient habitués d'aller à Marquette, bien, ils viennent ici pour ces activités-là. À Montréal, les arénas sont utilisés à pleine capacité et souvent il faut mettre à contribution les complexes sportifs des quartiers voisins, ce qui ne convient pas à tout le monde. Les gens, ça ne les intéresse pas, surtout quand c'est des petits, là, l'initiation d'aller dans des arénas qui sont un peu plus loin, même si c'est pas à l'autre bout de la ville, mais il reste que c'est plus difficile. C'est parfois un véritable casse-tête pour la direction des sports qui s'occupe de répartir les activités des patinoires en travaux. Mais les échéanciers sont serrés et la ville demeure confiante de pouvoir rénover ses 34 patinoires d'ici 2020.